Suppe. Television. Television en grande, oui. Ah oui. Climat. Bonjour les gars, ça va? Alors la jeunesse, hein? Moi je suis une vieille ancienne. Hein? Quel âge qu'ils ont? J'avais 18. Ah, vous parlez pas allemand là? Non, non, je crois que c'était avance. La grande télévision de. Mais avant, qu'on est ici. Dans mes cours d'histoire, j'en parle aux élèves. Le 1er mai, dans la matinée, ce fut l'arrivée sur ce quai où nous retrouvions quelques SS de Neuengamme. Nous étions arrêtés devant un bateau à la coque noire qui me parut énorme. C'était le Tilbeck. 45 ans plus tard, nous sommes réunis devant cette plaque sur ce quai qui vit passer tant de patriotes de tous les pays de l'Europe occupée et qui disparurent à jamais dans les flots de la Baltique, victime des bombardements du Cap Arkona et du Tilbeck. Cette plaque que nous inaugurons aujourd'hui à la mémoire de nos 7000 camarades disparus dans cette tragédie doit rappeler sans cesse aux passants qu'ils furent victimes de la barbarie nazie qui les avait enfermés dans le camp de Neuengamme et qui voulait, en les assassinant, supprimer tous les témoins de ce qui s'était passé là-bas. Victimes de la sauvagerie et de l'aveuglement de la guerre, puisqu'ils périrent sous les coups de ceux qui venaient les délivrer. Luttons pour que nos enfants, nos petits-enfants, ne connaissent plus jamais la guerre et les camps de concentration, les destructions et les tortures, les larmes des mères, les pleurs des épouses et des orphelins. Merci encore, amis allemands, pour votre geste d'aujourd'hui. Tous ensemble, main dans la main, avançons vers un avenir de liberté, de fraternité et de paix dont nos camarades disparus avaient tant rêvé. Que vivent nos peuples, que vive une Europe unie et fraternelle, et que vive la paix. Allait bon train parmi les détenus. Qu'allait-on faire de nous? Pourquoi ce bateau? Les interprétations fusaient déjà. Nous allions dans une île de la Baltique. Nous allions en Norvège. Nous allions en Suède. Finalement, personne ne savait rien parmi nous. Soudain, arriva un officier allemand qui déploya devant nous un journal. Une seule feuille bordée de noir et dont nous pûmes lire la date, 1er mai. Et le titre barrant la page, Unser Führer ist gefallen. Ce fut aussitôt le frémissement dans nos rangs. Nous sentions les alliés à nos trousses, et l'annonce de la mort d'Hitler nous rendait l'espoir. Plus de doute pour nous, la guerre était terminée, et nous allions enfin redevenir des hommes libres. Bientôt arriva brutalement l'ordre de grimper à bord, sous les cris et les coups, puis celui de descendre dans les cales. Au fond vivait depuis plusieurs jours, dans une puanteur effroyable, une foule de détenus composée de ressortissants soviétiques et polonais, de quelques yougoslaves et républicains espagnols. Nous avons ainsi appris que la veille, la Croix-Rouge suédoise avait évacué les déportés des pays de l'Ouest. Le navire tiré par un remorqueur quitta le quai et nous avons commencé à nous soucier de notre nouvelle vie, sans nourriture, sans boisson, au milieu des disputes, des bagarres et des bousculades. Le 3 mai dans l'après-midi, nous avons entendu des bruits d'avions
des tirs de mitrailleuses, des coups sourds contre la paroi du Tilbeck. Par un trou de la coque, l'eau pénétra en trombe, éteignant le feu qui s'était emparé de la paille garnissant le sol du cargo. Ce fut immédiatement l'affolement, la bagarre pour la vie, la ruée vers les deux échelles. À la deuxième tentative, je réussis à rejoindre le pont. Autour de nous, des navires flambaient. Des rescapés nageaient dans l'eau, s'accrochant à tout ce qui flottait. Quelques barques s'éloignaient. Des navires de la Kriegsmarine venus au secours ne recueillaient que les soldats et marins allemands. Les équipages frappant à coups de crosse de fusil sur les mains des déportés qui tentaient de s'accrocher aux barques. Et silence, s'il vous plaît, silence. Sehr geehrter Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, ich begrüße Sie hiermit zur internationalen Manifestation am 45. Jahrestage der Befreiung des KZ Neuengamme im Namen der Amicale Internationale de Neuengamme und der Arbeitsgemeinschaft Neuengamme für die Bundesrepublik. Das Wort Befreiung hat bis heute eine Schattenseite. Denn wohl geschah die Befreiung zum Leben, zum Überleben. Befreit von den Erinnerungen wurden sie nicht. Die Freiheit des Vergessens kann es nicht geben, für sie nicht. Für uns Deutsche aber darf es sie nicht geben. Es gibt die Gedenkstätte hier in Neuengamme, es gibt die Bauwerke als steinerne Zeugen, es gibt die Totenbücher im Dokumentenhaus. Ausstellungen berichten die Geschichte der Opfer und der Täter. Beispiele von Widerstand und Menschlichkeit leuchten im KZ-Dunkel. Das ist nicht genug. Wir müssen mehr tun. Falsch war es, die Justizvollzugsanstalt Vierlande ausgerechnet auf dem ehemaligen Gelände des Lagers einzurichten. Der Senat und diese Stadt werden die Justizvollzugsanstalt Vierlande verlegen. Werden die früheren Gebäude des Konzentrationslagers der Gedenkstätte zurückführen. Dass die wichtige Aufgabe des Erinnerns und Lernens oft schon eindrucksvoll geleistet wurde und wird, ist den ehrenamtlichen und privaten Initiativen zu danken. Allen voran den Organisationen aller Überlebenden in den vielen europäischen Ländern. Tröstlich und hoffnungsvoll ist der leidenschaftliche Einsatz junger Menschen in internationalen Workcamps jedes Jahr. Verehrte Anwesende, Gebäude als Mahnstätten, Dokumente als Zeugen, Bücher, die wissend machen, Filme, die Augen öffnen. Was könnte je genügen,
angesichts des unermesslichen Leids der Opfer, angesichts unermesslicher Verbrechen. Wir wollen Erinnerung wachhalten, vor allem über den Tag hinaus, an dem die Betroffenen nicht mehr Zeugen sein, nicht mehr unter uns sein werden. C'est aussi avec une profonde gravité que 14 nations se retrouvent aujourd'hui à Neuengamme en cette année 1990, 45e anniversaire de la libération des camps de concentration, 45e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Aussi, nous réjouissons-nous tout particulièrement, Monsieur le Premier Bourgmestre, que grâce à votre compréhension et à l'action de tout votre entourage, grâce au travail antérieur accompli, on puisse apprendre à Neuengamme, au cœur de l'histoire, le respect de la vie et l'amour de son prochain. La création d'un lieu commémoratif et culturel digne à Neuengamme n'est-il pas le meilleur hommage à rendre au souvenir de nos disparus? Nous espérons maintenant que dans les meilleurs délais, ensemble, nous donnions à Neuengamme l'exemple d'un centre qui soit en même temps celui du souvenir, de la connaissance historique et tourné vers l'avenir. Vive la paix, vive la vie. Thank you.